Hello à tous, comme on ne peut pas sortir de chez nous ni voyager, je vais vous proposer une petite recette de falafel, comme ça au moins vous pourrez voyager dans l'assiette et puis tester de nouvelles saveurs. Alors voilà les ingrédients de la recette pour les falafels. Des pois chiches que l'on a laissés une nuit dans l'eau, puis bien séchés. Il nous faut un œuf, un gros oignon, deux gousses d'ail et un mélange d'épices. Ici c'est du paprika, du cumin, un peu de coriandre, du sésame, du persil, sel, poivre. Alors dans un premier temps, on va mixer les pois chiches avec l'œuf. On ajoute l'oignon, l'ail et les épices. Et c'est reparti pour mixer. Alors si ça colle un petit peu trop, on met un petit peu de farine. Et on remixe le tout. Ensuite, on façonne des petites boules et on les met à frire dans l'huile. C'est parti. Ensuite, on fait frire dans de l'huile de tournesol. Et voilà le résultat final! Bon appétit! Ça y est, la recette est terminée, donc je vous souhaite une belle dégustation. Vous pouvez associer vos falafels avec du pain pita par exemple, qui est super facile à réaliser, ou aussi avec les super boulettes kefta du chef Fred. Donc n'hésitez pas à inventer de nouvelles recettes, et puis je vous souhaite une belle dégustation. En tout cas ici, il y en a une que ça, super fatiguée! Allez, à bientôt!